Ils ont vraiment foutu une obstacle dans le jeu. C'est fou, quoi. Le mec, il est sur YouTube depuis genre... Il est sur YouTube depuis 6 mois, quoi. Enfin, depuis 2 ans. Inoxtag est un YouTuber de génie. La musique coule dans mes veines. En fait, je suis venu à YouTube City pour faire mon prochain clip. Je dois rassembler autant de YouTubers pour qu'ils dansent avec moi. Tu peux m'aider? Et si on prenait une photo pour la rendre virale sur InstaLife? Bien sûr. Génial. Prends une photo avec moi, mets-la en ligne, elle deviendra virale sur InstaLife. Ah voilà, ça c'est du cancer comme on l'aime. Allez. Putain. Bon, ok. Au secours. Voilà. Le double cancer, le double dab. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe sur InstaLife? Les fans ne répondent pas aux messages. Aucun youtubeur ne veut danser dans ton clip. Des ondes négatives, Inoxtag, les fréquences du AirTag ont interféré avec le message. C'est pour ça que la photo n'est pas devenue virale. Et si on règle pas le problème, le clip sera complètement raté. Tu m'aideras. On peut se retrouver au AirTag. On sera heureux de t'aider, Inoxtag. On se retrouve au AirTag. Non, mais après, en vrai, c'est trop marrant qu'il ait foutu dans... Non mais après, soyons clairs, je troll, hein. J'ai absolument rien contre Inoxtag. Hein. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que le mec il a pop sur YouTube genre il y a moins de 2 ans quoi, tu vois. Et c'est marrant de le voir dans ce genre de jeu direct. Moi j'aurais plutôt mis Cyprien quoi, tu vois. Alors, Daddy, comment tu t'en sors avec tout ça? Mon InstaLife est parfait, ma chaîne devient de plus en plus populaire. Eh bien tu verras bientôt que tu auras plus d'abonnés à chaque vidéo. Je sens déjà l'odeur d'un prix YouTube. Alors attends, qu'est-ce qu'on devait faire ici, là? On devait faire un truc ici. Un accident, c'est un vif, t'as les quoi, c'est... Alors attends, voilà, c'est ça. Au AirTag, infiltrez-vous dans le AirTag et recherchez des indices. On sait ce qui s'est passé. Mais c'est ici, le AirTag. C'est bien ici, le AirTag. Ah non, ça c'est Tag Network, mec. Merde, pardon. AirTag, c'est là. D'accord, faut qu'on prenne le métro. Dixie! Salut. Je ne signe pas d'autographe aujourd'hui, en fait, je dois rencontrer une amie et je suis en retard. Ouais, elle est super sympa, un autographe? Même ma tante ignore qui tu es. Connasse! Avec l'aide de mon ami, je serai bientôt la plus tubeuse mode la plus connue en ville. Quelle star! Je savais que tu viendrais m'aider! Commençons par regarder à travers la vitre, et si on essayait de rentrer? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ces gardes n'ont pas l'air d'être en forme. T'inquiète pas, je vais faire une petite pipe et je vais les endormir. Passez vite, nous sommes engourdis et étourdis. Ah bah ça tombe bien. Ils ont encore tout foutu en l'air avec leur expérience maudite. Ces fréquences nous ont traversé le corps comme si un troupeau de T-Rex nous avait passé dessus. J'espère que c'est bientôt la relève. De quoi avez-vous besoin d'entrer et de résoudre le problème? Désolé, mais vous avez besoin d'une autorisation pour entrer. Les mêmes gardes m'ont laissé entrer sans autorisation et encore une fois, j'aurais besoin de ton aide. Pourquoi ne pas nous trouver des uniformes de garde pour nous faire passer pour la relève? Qu'est-ce que tu racontes? Mec, mais t'as... T'as 11 ans, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Essaie d'entrer... Oui, bon, alors attends. Qu'est-ce qu'il faut? Des uniformes de garde. C'est quoi? C'est où? Où est-ce qu'on va trouver ça? Ah, vous avez trouvé une clé USB. Si vous la branchez, vous allez trouver des informations utiles pour vos vidéos. D'accord. Ah ouais, c'est peut-être au magasin... au Geek Life. Y avait pas une merde geek, là? Attends, si, on était passé devant tout à l'heure. Voilà. Le Geektopia. J'espère qu'il y aura plein de pop de merde. Oh, on peut acheter des cartes! On peut faire des ouvertures de boosters. Bah oui, mais c'est ça. C'est Armor Storm. 72 000 balles. Qu'est-ce que je fais? Je mets de la vie, j'ai ça. Vas-y, Inox, file-moi tes thunes, là. Ouais, attends, tu vomis du pognon. Tu chies des chéquiers, quoi. Moi, j'ai rien du tout, moi. Parle à Edgar directement. Ah ouais, peut-être. Attends. Je cherche un costume d'agent de sécurité. Waouh, alors aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Il y a quelques jours, nous avons organisé une fête costumée pour les geeks de YouTube. Et j'ai gardé la tenue de sécurité la plus cool. Un Stormtrooper. Ah, là, pour le coup, ils ont le droit. Laisse-moi te l'offrir, je n'en ai plus besoin. Dis jamais personne dans la vie. J'irai à la prochaine fête déguisé en limace de Saturne. Si vous voulez le mettre, utilisez l'appli vestiaire. Très bien. Vestiaire, voilà. Vêtements et accessoires. Waouh, je suis tellement un geek. Regardez, je suis un geek, les amis. Je suis un super geek. Je regarde Star Wars et j'aime les mangas. Je suis un geek. Allez, venez! On va geeker, trop un geek, man! Un vrai geek, là! Comme on n'en fait plus! Allez, Inoxtag! Je savais que tu trouverais un uniforme, tu peux essayer d'entrer! Ouais, il était temps, mon quart est fini! Je rentre chez moi, je me couchais, je me sens pas de faire autre chose!
Ah putain, professeur Clodo, quoi. Quel poisse, quel sentiment étrange, des ondes très négatives gravitent autour de YouTube City. Vous voyez comment l'appareil Airbrenizer s'allume et s'éteint? J'allais organiser une fête pour le présenter et quelque chose de grave est arrivé. Ah, c'est professeur Chen au chômage. Je ne veux pas même pas savoir ce que vous avez dit, j'ai perdu toute mon énergie. Quelque chose arrive au docteur Hermingott. C'est un scientifique de haut niveau, mais il est épuisé comme tout le monde ici. On dirait que quelque chose a aspiré toute leur énergie. Nous devons trouver son journal de recherche, il raconte sûrement ce qui s'est passé. Tu m'aideras? Cherchons chacun de notre côté, dit-il en restant planté là comme un con. Hein, rien ici. Je n'ai rien trouvé depuis que je n'ai pas cherché. Et toi? Non, on peut pas aller à côté, donc c'est forcément ici. Je peux m'asseoir? Je peux jouer? Ah, je peux jouer. Ok. Ah, il est bien ce jeu, hein. C'est cool. C'était vraiment trop bien. Ah oui, d'accord, ça c'est pour acheter les... Tu peux acheter des versions augmentées de ton spyware, là. Je pense que ça doit être écrit sur le livre, voyons. Une entrée d'inventaire dit « Je faisais des expériences pour créer une fonction extraordinaire de la machine Brainizer, le streaming direct de YouTube vers le cerveau. Une avancée pour la science. » Quel enfer! C'est la fin du monde, quoi. Mais imagine Matrix, mais genre, la Matrice, c'est que des vidéos YouTube. C'est les tendances de YouTube, tu meurs quoi, c'est une balle dans la tête. Et tout d'un coup, quelle déchéance, je suis une personne dégueulasse. J'ai supprimé la capacité de ressentir le bonheur de tous ceux qui étaient présents. Ah, il a dû cliquer sur les tendances. Maintenir. Voilà, on va faire ça. Tu es une star, voyons ce que le journal dit. Tu vois, c'est là que le docteur en parle. J'ai expérimenté pour créer une fonction extraordinaire dans le dispositif Airbrenizer, transmettre YouTube City directement au cerveau. Une étape importante pour la science, mais il y a un problème. Et soudainement, quel rabat-joie, quel idiot je suis! J'ai effacé la capacité à ressentir du bonheur de toutes les personnes présentes à l'événement! Bien sûr! C'est pour ça que personne n'était intéressé par le contenu, c'est pourquoi les fans n'ont pas réagi lorsqu'on a mis la photo en ligne. Ils sont tous déprimés! C'est sûrement à cause de Airbrenizer, de mes couilles sur la commode, et pas du tout parce que... et pas du tout parce que ce que j'ai fait n'intéresse pas les gens. Nous venons de découvrir ce qui est très mauvais, d'un niveau toxique. Mais on doit se ressaisir. On a un plan, tu es très doué pour résoudre les problèmes. Et si on parlait à DJ Fox pour qu'il fasse un show? Quoi? J'adore, DJ Fox peut sûrement faire une fête épique, veut lui parler. Ouais, on est vraiment dans... Genre, c'est pour les 3 à 6 ans, quoi, en fait. Bon, après, bon, pas grave, on s'amuse bien. Hein. Le jeu est débile, donc on s'amuse bien, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Fais un spectacle contre la déprime. Je sais pas. Tu sais quoi? Inoxtag est là. Inoxtag? Ce type a la musique dans le sang! Je me sens tellement mou, mais je n'aurai jamais une opportunité comme celle-ci. Ok, je vais jouer quelque chose pour toi, quelque chose de spécial. Allez, c'est parti. La musique de Digit Fox a des pouvoirs magiques, tu vois. Maintenant, tout le monde danse. Tu peux sentir ses ondes positives. De plus, l'appareil Airbrenizer s'est finalement éteint. Plus aucun problème technique. Il faut profiter de la fête à fond. Enregistrons un vlog. Je l'utiliserai comme clip pour mon prochain hit. Prépare ton drone. Allez. Par contre, je suis désolé. Si je fais un feat avec Inoxtag, mais que j'atteins pas les 50 000 abonnés, c'est de l'arnaque absolue. Vous saluez la chaîne. Ah ouais, on peut saluer la chaîne maintenant. On va faire ça. Un esprit frappeur. Vous faites un monologue interne. Hashtag dog. Allez, random truc d'internet, là, prends des trucs d'internet au pif, là. Vous répondez à une personne qui n'a pas aimé la vidéo, faut pas répondre aux gens qui ont pas aimé la vidéo, tu les bloques, tu les emmerdes. Ils pourront arrêter la vidéo, voilà. Hashtag Inoxtag, hashtag Vlog, hashtag ERTech, hashtag Joie, hashtag Dixie, hashtag Dr. Hemingot. Très bien. Les étoiles se sont alignées à notre rencontre. Sans toi, je n'aurais pas pu réussir cette aventure en YouTube City. Il y a eu des hauts et des bas, mais ensemble, nous avons surmonté tous les problèmes. Et grâce à ta vidéo pour la fête, les fans viendront par milliers. À partir de maintenant, tu peux faire jouer ce nouveau tube au Galaxy Disco. Demande à DJ Fox. Je dois y aller maintenant. Merci pour l'argent. C'est incroyable, le clip ne va pas se mettre en ligne tout seul. À la prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il m'a donné? Voyons, je n'ai pas vu. C'est un souvenir de l'époque. Ah, c'est un cadre de lui. Je vais me mettre derrière l'armoire, là. C'est pas mal. Voilà, comme ça, là. C'est bien. C'est pas mal. Oui, j'ai trouvé une clé USB là aussi. Ce non-respect. Non mais je plaisante. Je préfère dire pour m'éviter que ça fasse ah il clash machin etc. C'est une blague, hein. C'est une blague. Je troll, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce que j'ai. Il y avait quoi dans non. Aussi, oui, voilà. Il y avait quoi dans ma clé USB, là? J'ai installé une clé USB, ça a rien fait. C'est ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Bah vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. 66. Publier une vidéo. Grosse cuite avec la sirène. Non.
Grosse cuite avec InoxTag, fit InoxTag, de la chaîne InoxTag. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, les gens, ils aiment pas. J'ai jamais eu autant de pouces rouges que sur cette vidéo, dis donc. Grosse cuite avec InoxTag, fit InoxTag, de la chaîne InoxTag. Comment ça fait pas plein de vues, ça? What the fuck, les amis, ça devrait faire 1 million de vues! Ça devrait faire 1 million de vues, quelle arnaque! Quel bide! Blair a besoin d'un youtubeur comme toi. Déjà, vire-moi ce costume de merde, là, puis pitié. Ah, ça, c'est les cartes, on débloque des cartes, d'accord. Ah ouais, d'accord, et chaque fois que tu débloques un certain nombre d'abonnés, tu débloques des trucs. Et quand je vais débloquer les nouveaux trucs, wesh, ma moumou, bien ou quoi? Ok, allez, on va... Putain, je suis à poil, j'ai même enlevé mes chaussures, dis donc. Je suis littéralement en caleçon. Ah ouais, mais par contre, non, ah non, j'ai oublié mon soutif. Au secours, je me sens tout nu. Alors, attends, torse, voilà, mon soutif. Bon, c'est quoi les tops du jour? Voyons, qu'est-ce qui trend aujourd'hui? Commentaire, c'est quoi? Nager, bon, on va aller à la plage. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait là? Comment on nage? Nager, vite. Faut nager là, c'est midi déjà, on n'a pas le temps, faut nager. En plus, je suis déjà en maillot. Là. Bon, en culotte techniquement, mais ça va. Où est-ce qu'on se prend en photo ici? Il est où le spot pour se prendre en photo? Voilà, plage. Vite. Un poste. Attends, mais je peux pas enregistrer une vidéo plutôt? J'en ai marre de faire du Instagram là, moi je veux faire des vidéos là. Ah voilà, c'est là. Vite. Enregistrer une vidéo. Calypso, mais non, ça c'est le bar, je m'en fous. Je peux pas faire. Ah putain. Bon, allez, vas-y. Immortaliser, changer de pose. De l'autre côté, au secours. Je peux pas nager en fait. Mais tu te crois en 1990, papy, ou quoi là? Si t'es pas en gros plan sur la photo. Bon, écoute, on va faire une vidéo. Attends, il y a quelqu'un là. Ah, il y a Raven. Je me demandais qui pourrait être intéressé par ta chaîne. Eh bien, les perdants attirent les perdants. C'est un fait de vie. Mais quelle gigantesque pute. Je viens de commencer, c'est un peu tôt pour me juger. Créer la grandeur prend du temps, il faut être un perdant. Vas-y, t'sais. Bah ouais, attends, the fuck. C'est qui, lui? Saucisse. Bon, d'accord. Bah, je sais pas ce qu'on va faire, hein. Vas-y. Prends une photo, hein. On va devenir Instagrammeur, hein, tant pis. Hein. C'est le destin qui m'a choisi, hein. Voilà, hop. Immortalisé. Plage, port. Nager. Voilà. Ça marche pas comme ça, je sais, mais bon. Attends, c'était quoi les autres trends? C'était quoi? Nager, loisir, piscine. Merde, la piscine, évidemment. C'était pas la plage. Moi qui voulais nager à la plage, mais quoi je pensais? C'est la piscine ou rien. On va pas nager dans la mer, on n'est pas des sauts, on est pas des animaux. Bon, alors attends, vite. Putain, le temps, il passe tellement vite dans ce jeu. Piscine. Agence tag. La piscine. Putain, c'est où? Où est-ce qu'ils l'ont foutu, la piscine? Ça doit être ça. Si, je le vois. Piscine, c'est là. Ok, tout droit. Vite, laissez-moi rentrer, je dois nager. En quoi puis-je vous aider? Je veux adhérer au club. Il vous faut une Elite Fitness Club. Non, je veux rentrer, il faut que je prenne une photo. Il faut que je fasse une vidéo pour dire que je nage. Sinon, je vais mourir IRL. Vite, il faut que j'entre par réfraction. Comment je fais si je peux pas dire que je fais des... Comment je vais vivre si je peux pas dire que je fais des trucs comme tout le monde? Attends, enregistrer une vidéo. Changer de caméra, vlog. Mais non, c'est nul ça. Port, on s'en fout. Terrible, hein. Vite petit youtubeur. On peut pas rentrer, on se fait refouler de la piscine quoi. C'est quoi, on va se rabattre sur les hashtags secondaires? C'est quoi? Commentaire, nager, Armored Nucleus. Allez, on va aller jouer à Armored Nucleus alors. C'est quoi? Je vais aller gagner de l'argent pour vivre. Blair a besoin d'un youtubeur comme toi. Téléverser une vidéo avec YouTube. Avec cette tendance à montrer à Blair qu'il n'a pas de youtubeur plus talent que vous. Et Ziggy demain. Êtes-vous le youtubeur idéal? Télécharger une photo avec la tendance Nico Box Live. Mais on n'a pas la console. Alors peut-être on peut aller se prendre une photo en train de jouer. On peut peut-être aller prendre une photo au magasin en train de jouer à la console, mais sans l'acheter du coup. On va essayer. Ah non, c'est fermé, merde. Ah, c'est trop tard. Oh, c'est la journée de la loose. Alors attends. Par contre, on peut téléverser une vidéo. Ça on peut le faire. Alors le problème, c'est qu'on a que des trucs de merde là. Bah tant pis, on va faire une vidéo sur Watch 4. Ça va être de la merde, écoute. Allez, vous commencez. Vous saluez la chaîne. Un PNJ agaçant vous parle. Vous commentez techniquement. Vous avez besoin d'une furtivité optimale. Ça veut rien dire. Vous militez. Pour arrêter la vidéo, vous demandez à avoir des abonnés. Voilà, parce que sinon, j'arrête pas la vidéo. Sauvegarder. Ah non, on a même pas l'énergie pour monter, au secours. Faut que j'aille acheter à manger. Quelle vie, quoi. Je joue à des jeux qui intéressent personne, je cours partout à poil dans la ville, et je bouffe de l'Asiade tous les jours, quoi. Quelle vie. Vas-y, le riz au soufflé du dragon. Attends, combien ça coûte? 25.
Vas-y, on en achète 50, ça nous nourrira pour la semaine. On va bouffer des nouilles asiatiques toute la semaine, là. Allez, let's go, les gars. On va bouffer des vieilles nouilles au resto chinois d'en bas. Pour peu qu'on commence à avoir du bordel dans l'appart, ça va ressembler à la vie de Banzai, quoi. Faites attention avec ce gameplay Watch Cats, voilà, ça c'est bien putaclic comme on aime. Bon, on n'évolue pas là Attends, on va aller dormir. Top 83, on est 83e youtubeur de YouTube City. Des choses intéressantes peuvent se passer, même les jours normaux. Nager, Nicosoft Box Live, Top 10 Fisherman. The fuck. Peut-être on va aller acheter la console là. C'est le meilleur moment pour nager, tout le monde en parle, mais ta gueule, je suis trop pauvre pour aller nager. Moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Scène de crime. Qu'est-ce qui se passe? Scène de crime. Interview. Salut les amis. Ok, enfin, n'espérez pas apparaître. C'est votre mauvaise blague. Vous flattez. Je sais pas ce que c'est. Mais bah les couilles. Tendance prise, interview, sauvegarder. On garde ça de côté, voilà. Allez, des nouilles. Alors attends, combien coûte la console là? 250 balles! Ah non mais ça va, je peux le payer. Vas-y, j'achète ça. Vous voulez vous acheter ceci? Oui. Et c'est quel jeu qui marche bien là? Geocraft. Construisez votre monde avec des formes géométriques. Ah yes! Et là, Rainbow Sigil. Et Geocraft. Non, mais Geocraft, il est pas en tendance par contre. Et Rainbow Sigil non plus en vrai. Mais alors, du coup, attends, c'est complètement con. Nico Softbox Live. Bah, c'est bien ça. Attends, bon, je suis complètement con, attends. Là, celui-là, il est à 48. 48. Bon, vas-y, je vais l'acheter aussi. Hein. Je me demande si je peux la vendre, la fiche de Inoxtag. Peut-être elle vaut du pognon. En vrai. Peut-être que je pourrais acheter des meubles comme ça, et genre un frigo ou des toilettes. Eh, mais le problème, c'est que je peux pas. Parce que ça, je peux le mettre, ok, d'accord. Mais voilà. Donc, je suis obligé d'avoir ma console sur moi, voilà. Et je fais maintenir et j'échange. Ok. Nouvelle installation. Hashtag nouvelle installation. Interagir. Mettre à niveau. Enregistrer une vidéo. Voilà. Et on va faire ça, ça. Vous commencez. Vous saluez la chaîne. Et salut à tous les amis, c'est Titon du 91. Ok. Ensuite, vous jouez pour rire. Trop lol le rire, on adore rire. On a bientôt passé le gameplay niveau 1. Ok, est-ce que j'ai de l'énergie? Quelle heure il est? 16h, je pense. Si je bouffe, voilà. Si je bouffe mes nouilles, je devrais avoir l'énergie pour enregistrer une autre vidéo. Enregistrer une vidéo, comme ça là j'enregistre 3 vidéos aujourd'hui. Je salue la chaîne, voilà, ça toujours, hein, bien sûr c'est le mieux. Il m'y sent chronométré. Vas-y. Ah putain, on avait le truc Inoxtag, on a fait wesh madoudou ou quoi, ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que c'est. Allez, on milite. Ok, ok. Là, on peut atteindre le niveau supérieur. Yes. 3 étoiles. Quasiment. On a quasiment 4 étoiles sur 5. Ok, maintenant, attends. On bouffe des nouilles. Voilà. On va monter les vidéos. Là, faut qu'on monte les vidéos. Faut qu'on les sorte aujourd'hui. Alors, on a 2 gameplays et une interview. On va faire d'abord... Attends, vas-y. On le fait dans l'ordre. On fait 1. On fait 2. On fait 3. On fait 4. Super, ça rentre. 56. Impeccable. Publier une vidéo. Ça qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le putaclicisme? C'est, il faut pas en faire trop, c'est ça? Devenez expert de Rainbow Sigil en 10 minutes? Parce que je vois que le moral, il devient rouge. C'est pas bien rouge? Je sais pas. On s'en fout. Allez, publier une vidéo. Ah, ça veut peut-être dire que... Ah, oh là là, je me fais saucer les pouces rouges! Ah, je me fais saucer les pouces rouges! Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Ah, c'est mes abonnés qui sont en colère, en fait. Ah non, faut encore que je mange des nouilles, putain. Ah, vas-y, j'ai mangé 8 kilos de nouilles aujourd'hui, là. Allez, let's go. 4 sur 8, 68, publier une vidéo. Le gameplay que vous ne seriez jamais attendu. Voilà, publier une vidéo. 103 pouces... Ouais, bon, alors 20% de pouces rouges, mais écoute... Let's go, les gars. Là, maintenant, là, je peux dormir. Je peux dormir sur mes deux oreilles. J'ai chié du contenu aujourd'hui comme jamais. Fait des mes vidéos, elles font 1K. C'est trop bien. Ah, vous faites une recherche sur Wiki. On a débloqué une nouvelle carte. Alors attends, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui là? Parce que là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on gagne de l'argent à un moment. C'est quoi là? Défi carte de danse. Calypso Beach. Calypso Beach, pardon. On va aller à la plage. Ah oui, il faut que je vende la fiche. Attendez. Comment on fait? Comment je la récupère Comment je la récupère? Vestiaire. Mais non, c'est pas ça. Envoyer vers le stockage. X. 5000 balles je vais évidemment la vendre. Merci Inoxtag pour le cadeau. Allez hop. Sur le bon coin. Je vais aller la vendre dans ce magasin de geek. Vendre. 1500. Je crois que c'était 5000. Quelle arnaque. Bon, tant pis. Ah, j'aurais dû la prendre en photo. Putain, j'aurais dû en faire un NFT. J'y ai pas pensé. J'aurais dû la vendre en NFT, les amis. J'aurais dû la vendre en NFT physique. J'aurais inventé le nouveau concept. C'est genre des NFT, mais qui existent dans le monde réel, en fait. Il est où le truc de... Ah, c'est là. Yes, breakdance, Ziggy. Hey, mon pote, nous sommes ici en train de parler, de passer un bon moment, et toi, tu es là, tranquille, comme une souris. Viens à la fête, tu veux danser? Je sais pas pourquoi je fais cet accent.
Je sais pas d'où sort cet accent. Je ne sais pas ce qu'est cet accent d'ailleurs. C'est un accent de hippie bizarre. Dansons. Mémorisez la séquence. Ah, QTE. Ok, très bien. Two very boring minutes later. Yeah! Wow! Ça, c'est du QTE. Je ne sais pas que tu en avais des mouvements comme ça en toi. On dirait que tu as débloqué d'une tendance. Les mouvements épiques comme celui-ci ont leur propre récompense. Wow. Eh, dis donc, quel fun. Personne n'aime quelqu'un d'aussi extra, on sait déjà que tu es le dieu de la danse. Eh bien, voilà. Allez, cringe. Ok, publication. Il semble avoir aimé cette photo, vous pouvez améliorer les relations avec vos voisins en discutant chaque jour, on publie une photo hebdomadaire, on s'en fout. Super. Jeu vidéo, Grand Cars Race, c'est où? C'est où le Grand Cars Race? Attends, ça serait pas au magasin, ça serait pas au magasin de jeux vidéo là par hasard? En tout cas, j'espère que je vous donne vraiment envie d'acheter... ce jeu? Pas du tout. Absolument pas, je veux... Après, c'est débile. C'est rigoleusement débile. Voilà. Attends, yes. Je crois que j'étais à fond en relation avec elle. Allez faire perdre le temps à quelqu'un d'autre. T'as regardé, elle est vraiment, mais... Elle est en train d'inonder son jeans en me parlant. Regardez ça, ça se voit. Pourquoi n'iriez-vous pas voir là-bas si j'y suis? Vous avez vu? Pouh, là, la Garonne en crue. Hein. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Ben on va rentrer, on va jouer à des jeux vidéo comme une grosse merde. Enfin, juste enregistrer des vieilles vidéos là sur... Alors attends, vas-y. C'est quoi qui trend aujourd'hui? On est PlayStation. Tir, genre de jeu, tir. Ah, quoique, attends. Si je vais chercher un jeu de vidéo de tir, il y en a peut-être, jeu vidéo de tir. Il me faut un jeu de tir. Il me faut un jeu de tir. Un jeu de tir, un jeu de tir, un jeu de tir. Voilà, un jeu de tir. Tire. Rainbow Sigil, c'est un jeu de tir. Je l'ai, Rainbow Sigil. Je sais plus. Je l'ai. J'ai oublié. Si je l'ai, je crois que je l'ai. Il me semble que je l'ai. Vite. C'est pas du tout. Ça, c'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est un truc assez... Les youtubeurs qui sont en mode... Faire une vidéo, vite. Jamais de la vie. Absolument jamais de la putain de vie, quoi. Ok, vas-y, tutoriel. Attends, on est presque... Je crois qu'on a presque fini. Vas-y, On salue la chaîne, on fait une recherche sur Wiki, bien sûr. On adore. On joue pour le rire. Voilà, on joue pour le rire. Et puis on se déconnecte après, c'est de la merde. J'ai enregistré une vidéo de merde, là, je crois. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, tu sais quoi. Allez, on publie. Allez, hop, on publie, on s'en fout. La qualité, on s'en bat les couilles. Hop, gameplay, vas-y. On te chie ça, mais vraiment, sans même regarder ce que c'est. Let's go, les gars, voilà. Il vous reste encore des points de rendu. Vous pouvez utiliser pour ajouter des effets à vos clips et gagner plus d'étoiles. Et comment je fais pour avoir des points de rendu? D'accord. Le secret le mieux gardé des YouTubeurs. Les effets utilisent des points de rendu, mais vous devriez mettre par l'éditeur par jour la première fois. D'accord. Installer la mise à jour de l'éditeur. Yes. Ça, je fais ça. Termine toutes les connexions d'entrée. Oh là là, c'est le futur. Publie une vidéo. Ensuite, un titre putaclic, mais pas trop. Le plus étrange gameplay de YouTube. Petit visage étonné. Oh là là, ça buzz. Ça buzz, les amis. 185 pouces verts. Vas-y, on peut aller dormir. 3100. Par contre, on a plus une thune. On va espérer que Daddy nous appelle. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un avion? Non, c'est une nouvelle photo de mon influenceur préféré. Cringeoman. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Jeu vidéo, Grand Cars Race, de nouveau. Chaque glitch joue à Grand Cars Race. Bah oui, bah ok, c'est bon, je vais aller l'acheter. C'est pas grave, je vais aller l'acheter et je mangerai une autre fois. Hein. j'ai pas d'argent pour manger et jouer au jeu. Bah je vais jouer au jeu, tant pis. Grand Cars Race, voilà, let's go. On mangera demain. Faut faire des vues, faut faire des pouces. Hein. Et on va jouer à Grand Cars Race, voilà. Pour démarrer la vidéo, vous avez un peu d'énergie, vous saluez la chaîne. Une révélation de tradition a été faite. Bah vas-y, on va chercher sur le wiki. Ça a pas l'air ouf, chercher sur le wiki, en vrai, comme classe. Vous jouez pour de rire. Vas-y, on va passer. Tu as deux, il faudrait que je passe à trois. Il y a peut-être moyen.
Ah, presque. Je pourrais presque passer à 4. Je peux pas presque faire du 4 sur 5. Vas-y, il faut que je la monte. Enregistre la vidéo, édite la vidéo. Ok. Putain, on a une vieille... On a une interview d'un flic, là, qu'il faudra mettre à un moment donné. Voilà, voilà. Et voilà, ok. Et du coup, là, les points de rendu, comment on s'en était servi tout à l'heure? Peut-être modifié, c'est ça? Ah oui, oui, c'est ça. Effet pour post-production, voilà, c'est ça. Améliore toutes les connexions en 30. On va faire ça. Publie une vidéo. Let's go. Vas-y, on va mettre... J'en sais rien, j'ai pas d'idée. Putain, j'en ai marre. Un truc qui ferait des vues, là. What the cut 39, voilà, hop. Publie une vidéo, voilà. Oh là là, ça marche. Par contre, il y a 15 mecs qui sont pas contents de ça te fait avoir. Ah, ça y est, mon public est moins blasé maintenant. Parce que j'ai arrêté de les prendre pour des cons et du coup, mes abonnés montent un peu plus vite. Qu'est-ce qu'elle peut me filer là? Des nouilles croustillantes. J'aimerais bien passer au gameplay level 2 pour pouvoir sortir un tuto, moi. Alors attends, il faut que je mange. D'abord, il faut que je mange. Et manger. Voilà. Deux plats de nouilles, c'est bon, je suis parti. C'est bon. Enregistrer une vidéo, c'est reparti. Grand Cars Race, on profite de la hype là. On profite de la hype. Vous commencez, voilà, on est plus là, on salue la chaîne. Trouver un œuf de Pâques. Wesh ma moumou, bien ou quoi, bien sûr, hein, c'est ce qu'il faut faire. Vous débloquez un trophée. On va faire une recherche sur Wiki, voilà. Vous militez. Et ensuite, on va finir. Avec ça, voilà. Comme ça, on a trois... Ah, mais il y a un truc de plus, là, ce coup-ci. Faut qu'on finisse avec un truc en bas. Donc, le 1, là, il doit pas y être. On va finir comme ça, voilà. D'accord. Améliore la connexion en 30. Là, ça me fait 76. D'accord, je comprends comment ça marche, en fait. Et si jamais... Attends, voyons, si je fais précédent, que je supprime ça, que je modifie... Non, ça me fait que 1 point. Ça me fait que 1 point. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette vraiment ça et ça, voilà. Ça fait 76. Bon. J'avoue, si seulement les éditions vidéo pouvaient également se faire en quelques clics dans la vraie vie. J'avoue, le meilleur de Honey PlayStation 1 pour la première fois sur YouTube. Vas-y, on va mettre le gameplay de Grand Cars Race dont vous ne saviez pas que vous avez besoin. Voilà. Après, ça monte. Hein. Ça monte petit à petit. Par contre, là, je suis toujours pas... Ah putain, les abonnés, ils sont de nouveau pas contents. Non, je les ai pris pour des cons. C'est pas grave, hein. Ils oublieront. Ça oublie vite. Hein. Ces bêtes-là, ça oublie vite. Regardez ça, What the Cut, le What the Cut qui a buzzé, hein. Oh là là, j'ai une carte VIP chez Altea. Je peux accéder là où seules les célébrités de la ville mangent. Incroyable. On va aller voir, on va aller voir et on va finir là-dessus. Hein. Et je spam mon Insta Life. Quand on met la moitié des mots composant les titres en majuscules, j'ai l'impression qu'on crie les mots et ça me fait rire. Eh ben, continuons, alors. Alors, attendez. On va aller au restaurant, là. On va aller au restaurant. On va aller au Planet Hollywood, au Planet YouTuber. Vous imaginez un Planet YouTuber, en vrai? Ce serait trop cool, quoi. Tu peux... Non, ce serait nul, en fait. Ça serait... Non, ça, je viens de repenser. Hein. Alors, le truc est passé très très vite dans ma tête, et non, c'est... Ça, on va arrêter de bouffer aux Chinois, là, comme une grosse merde. On va aller, voilà, Altea, ça y est, on l'a. Point, 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 point. Allez. Qui est là? Ah là là, c'est trop bien, Il y a personne, en fait. Hein. Il y a la mère. Et on bat les couilles, quoi. Pas célèbre. Désolé. Après, c'est peut-être pas l'heure de manger, c'est 9h45. Bon, c'est pas grave. Je vais poser là, regarde, attends. On va finir comme ça. Tac. Accès interdit, nous ne pouvons pas prendre des photos ni enregistrer des vidéos ici. Mais vous prenez pour qui? Moi, je suis YouTuber. Comment je fais pour travailler si je peux pas enregistrer des vidéos n'importe où? Putain. Bande de merde. On va finir... on va se finir où, là? Enfin, se finir, entre guillemets. Quoi. Allez, attends. On va aller à AirTech. Là où on a rencontré Inox Tag pour twerker avec le renard. Qu'est-ce que c'est que ça? Parler, grâce. En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de conseils. Donner des conseils, je suis une thérapeute professionnelle avec une excellente écoute, qu'y a-t-il? Comment obtenir plus d'abonnés? Comment puis-je augmenter la vie de YouTubeur est difficile. Je n'ai pas assez d'amis. La vie de YouTubeur est difficile. Tout ce qui a de la valeur dans cette vie est difficile à obtenir. Ayez confiance en vous et vous y arriverez. En plus, comme le dit mon père, tu t'es mis dans le pétrin tout seul, alors débrouille-toi. C'est pas ouf comme conseil de thérapeute. Bon. Ça fait réfléchir. Bon, c'était YouTuber's Life V2, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve que c'est une simulation, vraiment, j'ai reconnu, mais vraiment ça m'a fait réfléchir, j'ai vraiment reconnu ma vie en fait, c'est un documentaire quoi, là je suis en train de reconsidérer mes choix de carrière, hein, clairement, là j'hésite à aller m'enfiler un soutif et une culotte
et courir dans les rues.